Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers passionnant d'un si grand soleil avec le résumé détaillé de l'épisode 1311, diffusé le jeudi 4 janvier 2024. Cet épisode palpitant de la saison 6 promet des rebondissements émotionnels et des décisions cruciales. Hawking donne une seconde chance à Margot, tandis que Yann fait des progrès significatifs grâce à sa psychothérapie. Guillaume et Estelle, après une nuit ensemble, envisagent leur avenir, et Yann fait face à ses démons intérieurs. Joignez-vous à nous pour découvrir comment ces intrigues captivantes se déroulent dans ce nouvel épisode d'Un si grand soleil. Restez avec nous pour tous les détails. Guillaume et Estelle ont passé la nuit ensemble. Au matin, Guillaume prépare le café pour Estelle, comme s'ils étaient en couple depuis longtemps. Il lui pose des questions sur la possibilité de se revoir, et Estelle, sans regret, lui confie se sentir bien en sa compagnie. Guillaume, ému, avoue que la réalité dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Parallèlement, Yann poursuit sa thérapie, exprimant à sa psychologue, Aurélie, ses sentiments de culpabilité. Il se sent responsable de l'incident où Jorhen a failli perdre la vie. Aurélie explique que la culpabilité est un mélange complexe d'émotions telles que la honte, la tristesse, le mépris et la colère, qui ne reflètent pas toujours la réalité des faits. Au travail, la bonne humeur de Guillaume ne passe pas inaperçue. Jorhen et Margot deviennent qu'il a passé la nuit avec la femme qu'il aime. Dans un autre développement, Yann révèle à Lebrun que le carnet attribué à Mélanie était un piège tendu par Lavergne. Il avoue avoir envisagé de tuer Pierre, et explique à Lebrun que Pierre n'était pas le harceleur de Mélanie, et n'a pas cherché à tuer Alexandra. Submergé par l'émotion, Lebrun exprime sa douleur de vivre sans sa fille, partageant la difficulté d'accepter la continuation de la vie en son absence. Guillaume fait face à une situation délicate lorsqu'il informe Claudine qu'il ne peut pas l'accompagner à Los Angeles, car il doit rester à Montpellier. Cette nouvelle met Claudine en colère. Guillaume, cependant, lui conseille de prendre la vie moins au sérieux et de se détendre un peu par rapport à son travail. De son côté, Yann rend visite à la tombe d'Alexandra, où il lui adresse un message émouvant et dépose son alliance sur sa sépulture. Il lui fait la promesse de chercher le bonheur et de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Prenant une décision importante, Yann contacte Becker pour lui demander de reprendre son travail, se sentant prêt à assumer à nouveau ses responsabilités professionnelles. Margot, quant à elle, éprouve des difficultés à exprimer ses sentiments pour Hakim par écrit. Après plusieurs tentatives infructueuses d'écrire un email, elle décide de l'attendre à la sortie du commissariat. Là, elle avoue à Hakim que la distance entre eux n'a pas vraiment d'importance, et que l'essentiel est qu'ils se sentent bien ensemble. Leur conversation se conclut par un baiser, marquant la reprise de leur relation amoureuse entre le policier et l'assistante juridique. Guillaume et Estelle profitent d'une escapade romantique sur la plage, échappant à leur routine quotidienne. Lors de cette balade, Guillaume, emporté par l'instant, demande Estelle en mariage, lui expliquant que lorsqu'on trouve le bonheur, il faut saisir l'occasion. Estelle, surprise par cette proposition, demande un peu de temps pour y réfléchir. Guillaume, déclarant son amour, respecte son besoin de réflexion. Pendant ce temps, Yann organise un moment spécial pour Jorhen en réservant une table à la paillote et en commandant du champagne. Il lui annonce son intention de reprendre le travail et partage son sentiment de bien-être. Le couple, finalement peu enclin à manger, opte pour une promenade au bord de la mer. Là, Yann pose à Jorhen une question importante: serait-elle intéressée par l'idée d'avoir un enfant ensemble? La réponse de Jorhen est un oui enthousiaste et immédiat, ouvrant la voie à une nouvelle ère de bonheur pour le couple. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre récapitulatif de l'épisode 1311 de la saison 6 d'Un si grand soleil. Ce fut un épisode riche en émotions, révélations et décisions qui redéfinissent l'avenir des personnages. De la proposition inattendue de Guillaume à Estelle à la résolution de Yann de reprendre son travail, en passant par le renouveau de la relation entre Margot et Hakim, cet épisode nous a tous tenus en haleine. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour plus de résumés et d'analyses, et de partager vos réactions et prédictions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine pour un nouvel épisode d'Un si grand soleil. Merci d'avoir regardé.